tellement ignobles vos questions que vous en avez honte, c'est pas vrai peut-être? Alors à partir de maintenant, j'exige que tout soit consigné. Bon d'accord. Alors âge, profession, situation de famille. Merde! Nom, prénom, profession, Martino. Il me l'a déjà demandé. Enfin, maintenant c'est moi qui vous le demande. Alors puisque vous voulez qu'on tape toutes les demandes et toutes les réponses, alors j'attends les réponses. Vous vous appelez Martino? Oui. Jérôme? Oui, Jérôme, Charles-Émile. Notaire, 43 boulevard de Lattre, Joubourg, Manche? Oui. Vous êtes marié? Oui. Sans enfant? Sans enfant. Pourquoi, ça fait des saletés? Mais sérieusement, vous me voyez au pied d'un fer à 3h du matin. Bondé par un froid pareil, il faut le faire. Cette remarque me paraît frappée au coin du bon sens. Vraiment, ça, c'est épatant. Vraiment. Non, vous ne trouvez pas, monsieur l'inspecteur, c'est amusant. Elle est même aversée au dossier de la défense. Dites-moi, le jour de la reconstitution, ça... On tirera l'affaire au clair. Au clair. Non, mais c'est drôle. Je te demande si t'as fini, espèce de con. T'as fini, oui? Auriez-vous, s'il vous plaît, une cigarette? Non. Vous n'êtes pas très beau joueur, monsieur l'inspecteur. Il y a madame Martino qui vient d'arriver. Elle demande à voir son mari. Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui dit, Martino? Asseyez-vous, maître. Vous ne partez pas. Comment ça, je ne pars pas? Non, mais alors là, attention, mes bons amis, parce que là, vous n'avez plus tellement de possibilités. Ou c'est l'arnaque pure et simple, ou c'est la garde à vue, ou bien vous me déférez au parquet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais assez la garde à vue.